Bonjour et bienvenue sur KJ's TV. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer Sticks, Master of Shadow. Does he know where I'm going? Is it... Damn, et ma foi, on va voir comment ça se passe. Mais a priori... Donc on voit qu'il nous entend penser... Ouf, j'ai bien cru que j'allais me louper. On voit que donc il nous entend penser l'autre Sticks. Donc il faut se dépêcher. Je sais pas s'il y a vraiment un timer sur ces trucs là. Mais bon... Ah merde, 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 non, ne te retourne pas, ne te retourne pas. You think I didn't see you? Espérons que non. Bon bah je me suis fait voir, putain, ça commence bien. Allez, on commence par un petit fail. Ça fait toujours plaisir. Je sais pas combien il va falloir que je passe, j'essaie de bourriner pour aller plus vite, enfin... J'essaye d'aller plus vite, mais je sais pas si c'est vraiment la bonne technique au final. D'accord, bon, là je peux recommencer aussi. Comme quoi, il suffit de se louper d'un saut, quoi, et c'est mort. Hein. Si on veut aller vite, c'est pas forcément évident, quoi. Lui, il se précipite là-bas, on sait pas trop pourquoi. Mais merde, pourquoi? On dirait que je me bute un plafond invisible, quoi. C'est pas pratique. Bon. On recommence. Peut-être que en faisant... Voilà. Je triche un peu, on va dire. Je me doutais que ça allait marcher. On va faire une sauvegarde. Hein. C'est bon. Hop. J'ai pas envie de me prendre la tête 50 fois. À faire 50 fois les mêmes passages. Ok. Donc là, c'est une zone qu'on connaît. Hein. Je vous rappelle. Théoriquement, si je me trompe pas, il faudrait que j'aille sur la droite. Bien sûr, lui, il s'arrête là, punaise. Allez, il me voit pas, je suis dans l'ombre, il me voit pas. Voilà, nickel. Oh putain, je me suis loupé au saut, bordel. Oh merde, c'est vache quand même. C'est vraiment vache. Je me serais pas loupé au saut, ça passait quoi. Bon, enfin. On va réessayer. Hop, là il y a trop de gardes. Là il faut vraiment que j'aille par là quoi. On va se mettre de l'ombre au cas où. Là, lui, ok. L'autre il continue. Ok. Là, je me mets par là. Ok. Bah, écoutez, au pire, hein. On va se mettre invisible. Il nous voit pas. On passe. Ok, voilà, on est tranquille. Au moins, ça c'est fait. Oula. Je peux déjà reprendre de l'ambre. Vu comment ça se passe. Bon. Alors, oula. Pff, j'aurais dû tracer encore une fois. Bon, on va sauvegarder. Ah bien sûr il me voit, ok, on recommence. Bon en fait voilà, le fait de vouloir passer en furtif assez vite, c'est beaucoup plus rapide ou beaucoup plus dur quoi, hein, suivant comment on voit les choses. Eh ben on va attendre. Ah non mais là par contre, c'est un poil abusé s'il m'a vu. Sérieux là? C'est invisible. Je veux pas le pousser, je vais lui voler sa fiole d'ambre. Et ça a pas marché peut-être. Non. Bon, je suis bon pour recommencer. Il y a peut-être moyen hein, en se mettant invisible de lui piquer sa fiole d'ambre. Si je passe par là, il me voit. Ouais. Ouais, mais ça revient au même. On recommence. Ok. Bon, si je reste planqué là, est-ce qu'il vient ici quand même? Time for change of guard.
Oh, shut it, for pity's sake. Ok, donc il vient bien là. Donc au final, à moins de tracer, si j'avais encore plus tracé, ça serait peut-être mieux passé, mais... Bon, invisible. Il me voit pas. Mon dieu qu'il est moche. Hop. Là, je veux le voler. Là. Je repasse en invisible. Je bouge plus. Théoriquement, mon invisibilité reste. Là, il s'est aperçu qu'il a été volé, je suppose. Bah, et mon pouvoir cheaté de rester invisible aussi longtemps que je veux, tant que je bouge pas, ben bah, voilà. Mais on va attendre, hein, patiemment, après tout, hein, une fois. On est pas plus pressé que ça. Ben bah oui, j'ai foutu le camp, je ne suis plus là. Toi, tu vas retourner... Non, il retourne pas là-bas. Merde, ça c'est dommage. Bah il se barre. Oh lui aussi. Oh nickel. On sauvegarde. Hop là, je récupère mon ambre, ça c'est cool. Ok. Bon. Finalement. Oh merde. Comment il a pu me voir lui? Bon. On va sauvegarder, on va essayer de passer à la bourre. Hein. Oh putain. Strange. Better be careful. L'autre il est où? Ah merde, juste au moment où je vais pour y aller. Oh non, il va me voir. Ouais, c'est pas grave, on va recharger. C'est pas grave, je vais charger souvent, mais bon, au moins comme ça, ça va. Je pense qu'au final, en définitive, mine de rien, ça va plus vite que d'essayer de passer, sauvegarder, machin. Surtout qu'a priori, il y a un autre passage par là, vous voyez, que je n'avais point vu. Ah bah non, c'était le passage pour passer au-dessus là. D'accord. Bon bah. Si je refais le jeu, je le saurai. Là, on est bien obligé de passer par là. Est-ce que lui il se barrerait pas? Si lui il se barre, et que l'autre a le dos tourné, ma foi, je peux passer hein. Oh, fait chier, il a pas resté assez longtemps le dos tourné, lui. Pas évident. Be ready. There's a creature out here somewhere. Tu vas pas au fond. Ah, du coup l'autre. I must be seeing things. Oh putain. I've no time to play hide and seek. Understood. Ah, j'ai beau faire du boucan, il vient pas quoi. Stay alert. Bon, ça dure trop longtemps, ça m'énerve. Merde.
C'est par où? C'est pas par là qu'il fallait passer? Oh merde. Bon bah là je me suis trompé d'endroit. A priori c'est pas par là qu'il faut passer. Là il y a juste une pièce. Et si je regarde par là, je reviens sur le truc de base. Ok, bon, petite ellipse. Bon, on a pu voir que c'était pas le bon passage. On va essayer de prendre un autre chemin. Là, a priori, je peux monter. On va pas réfléchir longtemps. On va prendre de la hauteur. De toute façon, il faut que j'aille vers l'ascenseur là-bas. Il doit bien avoir un chemin. Hop là. Plus par là-bas d'ailleurs. Hop. Ok, là je suis dans les cellules, les fameuses cellules. Oh, je suis plein en couteau. Hop, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah oui, je crois qu'il y a quelqu'un. Bah écoutez, j'ai envie de dire. Hop là. Déverrouillé. J'espère qu'il est seul, comme ça on va régler le problème très rapidement. Là je suis plus dans le quartier de haute sécurité, je suis dans le quartier juste de sécurité quoi. Faut... Ah quoi que... Voilà... Au moins ça, c'est réglé. Hop là... Dis donc, toi on te jette là. Bon mais les couteaux c'est dommage, il y a un passage aussi. Non, tu ne m'as pas vu. Tu veux arrêter tes conneries, toi, et tu crèves. Et merde, il y en a un troisième. Vite, Hop. Est-ce qu'on va pouvoir buter le troisième? C'est une waste de temps. Il a disparu. Allez. 2 pour le prix de 3. Ou 3 pour le prix de 2 plutôt. Voilà, comme ça, on sera plus embêté. Ceci est sûrement mieux à faire, mais bon, hein. Au moins. Voilà, ici je peux gambader tranquillement et je vais pouvoir faire le tour. Voir si je chope pas des potions de vie ou d'autres trucs. J'ai vu que là il y avait une fiole d'acide. Un truc dont je me sers jamais pour le moment. Mais bon, moi j'en aurai. Ok. D'accord, je suis bloqué. Bon là ça sert à rien. Là y'a rien non plus. Là, y'a rien non plus. Ouais, y'a que des cellules qui sont complètement vides. Bon. Si je retourne un petit peu plus en arrière encore. Bon d'accord, ok. Donc là c'était, si je me rappelle bien, là où il y avait toutes les. Ouais, tous les étages avec la prison, tout ça. Donc faut que je remonte le plus vite possible. Et par où je monte, là a priori je peux. Si je dois pas remonter là quand même, non? Ok, s'il y a tout ça, c'est qu'il y a un passage, non? Non. Ok, c'est juste. Faut... Si je peux continuer par là au pire. Ah, je vais peut-être pouvoir grimper d'un niveau directement. Non, même pas. Non, rien quoi. C'est juste moi qui fais le couillon. Ok, on n'en parle plus, donc je suis obligé de passer par là, mais ça monte pas là, ça descend. Donc ça m'intéresse pas vraiment quoi. Et en même temps l'objectif est d'être en bas. Bon bah écoutez, on va voir si on peut descendre par là. Ce serait peut-être plus rapide. Ok, on va faire une petite sauvegarde. Ça mange pas de pain. Le problème c'est qu'est-ce que là le saut me fracasse la gueule ou pas. A priori je dirais oui, hein. C'est ça le problème. Et deux gardes en plus. Bon, c'est qu'il faut pas passer comme ça. Il faut bien passer par les escaliers, j'ai pas vu d'autre passage s'il y en avait un malheureusement. Je ne l'ai point vu. Hop là, on passe par là, on éteint ça. On va éteindre ça aussi. Hop. Le garde il va où? L'ascenseur est à ce niveau là a priori en tout cas. Là j'ai rien pour cacher les cadavres. À part carrément les jeter dans le vide. On va pouvoir se faire ça.
va monter là quand même. Non. Oui, non, tu te tâtes. Bah écoute. Wow, j'ai failli faire une bêtise. Bon, t'es tout seul. Petite sauvegarde au cas où. Parce que là, ça va être risqué ce que je vais faire. Ne retourne pas. Voilà, bien. Voilà, tac, tac. Hop. Le corps, on s'en débarrasse. Et ma foi, bon, on va pouvoir continuer. Donc petite sauvegarde, hein, parce que ça s'est bien passé. Ok. Next one. Le deuxième garde qui est venu tout à l'heure, il est où? Là, il y a de quoi les ranger en plus. Oh putain, il y en a trop quoi. Je sais pas s'il faudra vraiment pas que j'essaie de le passer fufu cet endroit quand même. Bon, pour encore se faire plaisir en butant un garde peut-être. Mais bon. Ok. Allez, un petit plaisir. C'est une petite praline. Ah, oh, mais il a déjà rallumé quoi. Il a pas eu le temps de mettre le capot et voilà. Hop. C'est, en fait, c'est pas du charbon, c'est du gaz quoi. Hop là. Ah, c'est une ampoule avec un interrupteur en fait. Ok, il en reste plus que deux. Ça avance, ça avance. Hop là. Sauf que là je suis pas obligé de les buter a priori. Je pourrais simplement ouvrir là. Alors il passe dans une cellule, ok, donc ça sert strictement à rien. Est-ce qu'il y a des chemins plus aériens? Ah, on dirait bien que si. Hein. On dirait bien que si. Donc, petite sauvegarde, tac, tac. Je suis Styx le funambule. C'est passé. Ok, sauf que d'aller là, ça va m'aider à quoi en fait? My eyes are burning. Oh. Hmm. Ouais, je peux descendre tout, mais si c'est à ce niveau-là. Ah, mais tu m'as pas vu quand même. Strange. Non mais merde quoi. Ça ferait haut quand même si je tombe. My eyes are burning. Ah, toi tu te barres. Oh, il y en a un qui se barre et l'autre qui revient quoi. Time for change of guard. Petit F-Tank. Et on va tenter. On tente quoi? On tente l'assassinat ou on tente de passer? Wait until I get my hands on you. You'll see how I deal with monsters like you. Bon, voilà, je crois que je peux recommencer. Ok, bon, en tout cas, a priori, c'est le bon passage. Donc, je peux pas me permettre de me planquer juste devant. A priori. Est-ce qu'il y a un passage par là-bas? Je vais tenter, hein, c'est pas... Ah, mais oui, je peux passer par au-dessus, en fait. Ok, bon, maintenant que je le sais. On va essayer autrement. Ok, clac, clac,
clac. Voilà, en y allant plus doucement, plus sécure, on va dire. Allez, tu me rates pas ce saut. Voilà. Voilà, on y arrive à l'ascenseur. Enfin, j'espère. Petite sauvegarde encore. Donc, on passe par au-dessus finalement. Hop là. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et je reviens là où j'étais. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, ça va vraiment pas cette histoire. Ça va vraiment pas, parce qu'au final je suis revenu là où j'étais. Donc, du coup ça m'a pas fait avancer un brin. Par là il n'y a pas de passage par hasard. Je contrôle hein, du coup. On sait jamais. Non. C'est joli quand même. Bon bref, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Bon du coup, je me suis fait avoir comme un bleu. Retour encore à cette cellule. Je me souviens plus du tout. Ou alors c'est qu'il y a plus de gardes. Mais il me semblait pas que j'en avais chié ici quoi. Bon, F5, clac. De toute façon il faut que j'aille par là. Par là-bas. Donc. En toute théorie, on va aller voir, mais hop là, j'ai aucun passage pour passer là. C'est n'importe quoi. Bah si c'est ça, ça veut dire qu'il y a un levier. Or, j'ai pas vu de levier. Non. Il semble pas qu'il y en ait. Enfin, je pourrais gaspiller mes couteaux, mais bon. J'ai plus assez d'ambre pour jouer au con et passer en invisible. Tout à l'heure, ils sont retrouvés tous les deux là-bas. Donc bon. Allez, on va tenter. De toute façon, faut au moins aller voir ce qu'il y a, même si je meurs. Non mais sérieux. Putain. Mais non, y'a rien, tu n'as rien vu, il n'y a rien. Oh putain. Oh, fais chier. En plus je me loupe. Allez, meurs, tue-moi, allez, voilà, merci, au revoir. Donc ça a l'air d'être le bon chemin, sauf que bah, faut faire gaffe à ce garde. Donc, là personne ne me voit. Lui il passe de l'autre côté, lui il passe de l'autre côté aussi. Là personne ne me voit. Là il y a l'autre qui va arriver, il faut que je me mette. Voilà, par là. Ok. J'ai l'impression de revoir exactement la même salle que tout à l'heure quoi. Alors soit je tourne en rond et je m'en rends pas compte. C'est pour ça que j'ai sauvegardé avant hein. C'est pour voir parce que là ça devient rageant là. Je tourne en rond ou pas? Parce que finalement je serais passé tout droit en mode invisible, c'était peut-être mieux quoi. Sauvegarde est où? Ah oui. Ou est-ce que c'est juste que c'est exactement les mêmes pièces et que... j'ai l'impression de tourner en rond. Est-ce que j'ai vraiment avancé? Est-ce que je tourne en rond? C'est assez étrange. Parce que là du coup je peux passer en fufu je pense. Ah putain, j'ai raté une marche. Non, tu me vois pas. Tu me vois pas. Je prends mon cheat. Voilà, tu me vois pas. Et lui il va me voir parce que je suis passé du mauvais côté.
Ok, bon, enfin en tout cas on va passer comme ça. À la barbare. Enfin, ça a l'air d'être le bon play à faire. Ouais, passer, ok. Hop, on se shoot à l'ombre. Comme ça c'est plein. What was that noise? Non mais je voulais pas que tu me voyes déjà. Adrienne, gentille Adrienne, je te fumerai. La tête et il m'a vu quand même. Ouais, cours Styx, c'est pas grave. Voilà, mon dieu, l'autre Styx. Oh punaise. Et il prend l'ascenseur et je me retrouve baisé. Sorry if I find you, you little green skin. Voilà. J'ai gaspillé des choses, mais à première vue, je suis à l'ascenseur. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais absolument pas comment il faut que je me barre. C'est bien beau, mais. Ouais, super, je suis au bon endroit, quoi, mais. Ok. A priori, y a plus personne. Faut juste que je me barre à la planque. Donc, en gros, si je comprends bien, faut juste que je descende prudemment ici, quoi. Ok, on va se regarder quand même, hein, au cas où. Parce que prudent, vu le peu de vie qui me reste. D'accord. Ok, c'est de la bonne vieille plateforme. Jusque là, ça va. Phew! Eh ben on aura chié, hein, putain, dans ce niveau. Ok, j'ai quand même eu 150 points de compétence. Je l'ai quand même fait en une heure, ma foi. Elle a déclenché 4, ah, quand même. J'ai assassiné que 11 personnes cette fois. Hein. Bon, après... j'ai loupé une relique. Ça, par contre, c'est pas bon. Je devais discuter avec le clone, mais si, pourtant, j'ai discuté avec le clone. Ah, je devrais peut-être parler à ce clone. Je devrais discuter avec ce clone. Merde! J'ai zappé une mission, du coup. Bon, tant pis. Allez, petite cinématique. Et on se retrouve dans la planque. Et je vais pouvoir encore augmenter mes compétences. Mais bon, je pense pas que ça servira à grand chose. Alors, où on arrive par la planque? Oula, on arrive par tout en bas. Ok, bon. On n'a pas eu droit à la cinématique, donc c'est un peu embêtant. Je vais peut-être continuer un petit peu. Juste pour que vous ayez quand même une cinématique de fin d'épisode, quoi. Par contre, je vois pas du tout comment il faut descendre. Ok. En fait, il n'y a pas à réfléchir, a priori. Bah, je vais pas mourir dans ma planque. Me dites pas que je peux mourir dans ma planque. Bon, on va sauvegarder, on sait jamais. Ah bah, si on peut mourir dans la planque. Ok, moi je le saurai. Bon, bon, bon. Oh, cet épisode du fail quand même. Là, ça a l'air d'être là. Ouais, là il y a un crochet là. Ouf. Ok, tu t'accroches, tu remontes. Ok. On est en haut là. Ouais, ouf. Bon, il n'y a plus d'acrobatie à faire. Faut que j'aille à la planque. Ok, il n'y a plus machin. Enfin, le mec qui m'aidait quoi jusque là, il n'existe plus, il est mort. Ou alors c'est l'autre Styx qui l'a embarqué. On va voir. Déjà, je vais aller à la planque, refaire le plein parce que franchement, j'ai plus assez de matos. Hop là. Et on va finir ce niveau, cette vidéo là-dessus. Alors moi j'aurais préféré finir sur une petite cinématique, mais bon. A priori. Ah bah si, il est là. Is that you? I get the impression that your plan succeeded. The shit is flying between the humans and the elves. You? Wait! I... Spare me the bullshit. I got no time for this. If you don't answer my questions, I'll
I'll slit your throat right now. Why does Styx want to steal a heart of the tree? I don't know. He never told me a thing. He just paid me a fortune to direct you, and to keep an eye on you. But I never had anything against you. You've got to admit, it were never personal. Donc il était au courant, cet enfoiré. And yet you let me get into the prisons. And given your surprise earlier on, you knew it was a trap I couldn't get out of. And you even asked me some favors, you fucking shit. That mud that you're using as blood is gonna be spilt. You can thank your lucky stars I'm in a hurry. Otherwise, I'd have enjoyed taking my time. I beg you, don't kill me. I'm just a blind old man. Je peux ne pas le tuer. Bon, eh ben on va arrêter l'épisode là. Est-ce que je vais le tuer? Est-ce que je ne vais pas le tuer? Vous le saurez dans le prochain épisode. Bye bye mes petits amis YouTube. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. À la prochaine. Bye bye.